Pendant la sieste, j'ai rêvé de la brume et des ondulations du lac de l'Ouest, tout en jouant en barque parmi les fleurs de lotus. Le paysage dont ce poète rêvait il y a des milliers d'années est encore visible aujourd'hui. Avec son charme unique, le lac de l'Ouest a attiré de nombreux lettrés au cours des dynasties passées. Elle possède une histoire fascinante et un patrimoine culturel riche et magnifique. Le lac de l'Ouest est très unique. Il occupe une place particulière parmi les lettrés, car beaucoup d'entre eux le considèrent comme leur foyer spirituel. Il existe des reliques culturelles basées sur le thème du lac de l'Ouest à travers le monde. Les habitants de Hangzhou possèdent une profonde affection pour le lac de l'Ouest et ne pourraient jamais le quitter. Hangzhou, 素有人间天堂美誉, 湖光山色, 人文美景, 俯拾皆是, 西湖十景, 或近观, 或远眺, 引人 Xi Jinping connaît intimement tout ce qui se passe dans la province du Zhejiang après avoir passé 6 ans à y travailler. La beauté du lac de l'Ouest a survécu à toutes sortes de vicissitudes. En plus de 2000 ans, plus de 20 projets à grande échelle ont été lancés pour le sauver de l'anéantissement. Depuis la fondation de la République populaire de Chine, le lac de l'Ouest a été dragué à 3 reprises, mais il reste confronté à de nombreux dangers. Au début de 2002, qui était la première année où Xi Jinping travaillait comme membre de l'équipe de direction de la province du Zhejiang, un projet de protection globale a été officiellement lancé. Le secrétaire général Xi aimait beaucoup le lac de l'Ouest lorsqu'il travaillait dans le Zhejiang. Il a dit que le lac de l'Ouest avait de nombreuses belles légendes émouvantes et qu'il rassemblait également les cultures du peuple Wu, du peuple Yue, de la dynastie des Song du Sud et des dynasties Ming et Qing. Il a également déclaré que tout ce qui se trouvait au lac de l'Ouest, les temples, les pagodes et autres reliques et bâtiments culturels, étaient des symboles de l'histoire. Xi est venu ici en 2002 et en moins d'un an, il a inspecté le lac de l'Ouest à 3 reprises. Le 27 septembre 2003, il est venu inspecter le projet global de protection du lac de l'Ouest. Xi Jinping a appelé à donner la priorité à la protection du lac de l'Ouest, protéger l'environnement écologique, le paysage naturel, les reliques culturelles et les sites historiques. Il faut mener à bien la protection avant un développement modéré. Xi pense que le lac de l'Ouest est plus qu'un paysage et un lieu pittoresque. Il est doté d'une riche connotation culturelle. Xi a avancé le concept de rendre le lac au peuple. Nous avons entièrement protégé le paysage naturel du lac de l'Ouest, restauré sa zone aquatique historique et partiellement restauré le paysage historique, les reliques culturelles et les bâtiments. Il s'agit d'une amélioration conceptuelle pour mener un projet de protection du lac de l'Ouest avec une ingénierie du système écologique. Le lac de l'Ouest a inspiré les lettrés à travers les dynasties pour créer d'innombrables œuvres d'art. Comment laisser ces reliques historiques s'exprimer et raconter l'histoire de l'ancienne civilisation chinoise? Telle est la réflexion de Xi Jinping. Xi a reçu une fois un invité du journal de Hong Kong Weipo. Il a dit à Xi que Hangzhou devrait construire un musée du lac de l'Ouest. Cela aurait pu correspondre à l'idée existante de Xi. Il a immédiatement écrit une lettre au gouvernement municipal de Hangzhou. Selon lui, le lac de l'Ouest est le cœur et l'âme de Hangzhou et il faut mettre en valeur sa beauté naturelle et humaniste. Pour ce faire, un musée du lac de l'Ouest devrait être construit. En 2004, après avoir vu la conception du musée du lac de l'Ouest, Xi Jinping a déclaré qu'il était très distinctif et que des conseils d'experts devraient être impliqués lors de la construction. Un an plus tard, alors que le musée du lac de l'Ouest touchait à sa fin, Xi Jinping est venu dans ce modeste bâtiment au bord du lac.
Je me suis sentie très stimulée lorsque Xi a inspecté le site le 15 mai 2005. Il pensait que le bâtiment devait coexister avec l'environnement et ne pas être intrusif. Il devrait être une servante de l'environnement. Il a également plaisanté en disant que cette servante ne devrait pas être Qingwen et qu'elle devrait être subordonnée et non celle qui usurpe la gloire du personnage principal. C'est pourquoi les deux tiers du musée sont souterrains. Il était vraiment heureux de voir le projet et il a raisonnablement conseillé que le bâtiment coexiste avec son environnement. Je pense que sa vision est également très avant-gardiste. La beauté du lac de l'Ouest est renforcée par son profond patrimoine culturel. En tant que foyer spirituel des habitants de Hangzhou, le lac de l'Ouest est doux et chaleureux dans ses soins humanistes. Comme nous le savons tous, le lac de l'Ouest est l'endroit parfait pour que les jeunes se promènent, un endroit très romantique. Certains bancs étaient relativement proches les uns des autres. Monsieur Xi, secrétaire de l'époque du comité du parti pour la province du Zhejiang, a proposé de bien espacer les sièges afin que nos jeunes puissent avoir un peu d'intimité lorsqu'ils sortent ensemble. De nombreux jeunes ont été émus en apprenant cela. En 2016, trois ans après être devenu président chinois, Xi Jinping est revenu au lac de l'Ouest alors que la Chine accueillait le sommet du G20 à Hangzhou. C'est la première fois que la Chine accueille le sommet du G20, un rendez-vous diplomatique important. En tant que salle de réunion pour le rassemblement des dirigeants du G20, le lac de l'Ouest a connu un moment fort. Avec le lac de l'Ouest comme toile de fond, l'opéra traditionnel chinois, Liang Shanbo et Zhu Yingtai, et le ballet classique occidental, le lac des cygnes, ont été présentés au même endroit. Cela explique implicitement au monde ce que les Chinois appellent l'harmonie dans la diversité. La Chine d'aujourd'hui est ouverte, confiante et modeste. Xi Jinping montre aux dirigeants des autres pays une Chine réelle et vivante, nation orientale ayant une civilisation ancienne.